Ça qui arrivait, hein, c'est il y a un mois, pratiquement un mois de cela, moi j'ai fait un appel, moi j'ai fait un SOS, côté que je me dit, le gouvernement en place là a fait tout ce possible et imaginable pour que yo crase prison hein, et yo gagne un ensemble de bandits notoires que yo besoin pour yo régler les affaires, yo, notamment faciliter une intervention militaire dans le pays. Là. Eh bien, moi j'ai lancé SOSA sur compte Facebook moi, il y a pratiquement un mois de cela. Et que la population est responsable, yo, pas prend message ça à la dimension. Mais récemment là, nous avons gagné 2 jours, côté que au niveau capital, pays d'Haïti, nous pas gagné. Il y a une prison qui existait. Première prison que bandi armé annoncé, il y a attaqué dans telle précise. Il a attaqué effectivement c'est prison Fomio dans cabaret. Après il a fini vandaliser, casser prison Fomio. Est-ce que nous t'es constaté gagner une note qui sortit de la part des autorités et étatique, soi-disant autorité étatique, pour t'a dit bon, mais telle disposition nous bral prend par rapport à telle action qui passait. Et c'est même cas de figure là qui bral passer pour un ensemble des commissariats, sous-commissariats, notamment sous-commissariat Bon Repos. Il y a pratiquement 2 mois de cela, gagné des chefs de gang qui dit il a attaqué sous-commissariat Sayo par le fait que commissariat Sayo constitue un manque à gagner pour yo. Ça passait comme une lettre à la poste. Et même groupe moun qui marginalisé en dans quartier populaire yo, moun nan pouvoir yo transformé yo en gang jounen jodi hein. Eh bien, il était annoncé plusieurs semaines de cela, il pourrait casser prison civile de Port-au-Prince et de la Croix des Bouquets. Ça arrive fait et regardez comment ça fait. Première question pour nous poser tête, comment des bandits armés arrivent à envahir prison, hein? Tu as un dispositif sécuritaire qui là à surveiller prison. Gardez dommages collatéraux. Mandez combien policiers même qui touchés par balle. Posez tête nos questions comment une prison rivée fait vandaliser pas gagner yon grain policier qui touché pour nous dire nous pas faire apologie de la mort. Mais si c'est pas une planification au niveau gouvernemental qui pour permettre à ce que yo ouvri porte prison yo pour libérer moun yo besoin libérer et créer un chaos en dans pays a dans l'objectif de faciliter une intervention militaire, nous t'a pourrait gagner assez de dommages collatéraux qui permettent à ce que gagner une résistance par rapport à ça qu'a fait là pas gagner aucune résistance qui était faite par rapport avec ce qui passait au niveau prison civile Port-au-Prince, prison civile de la Croix des Bouquets, ainsi que commissariat de la Croix des Bouquets. Donc, je dis, hein, nous arrivons dans une situation où dernier rempart qui était gagné dans l'État, les plate à terre. Pas gagné tout prisonnier ou dans la rue. Et prisonnier qui pas dans la rue, c'est une volonté personnelle qui dit yo même yo a conformé yo à la loi, yo pas mettre yo dans une situation de vandalisation, yo pas mettre yo dans une situation de fugitif. Et c'est ça qui arrivé pour des prisonniers tant que ancien secrétaire de l'ordre Barreau Port-au-Prince, actuel secrétaire général de la Fédération des Barreaux, Maître Robinson Pierre-Louis, et que lui-même l'était adopté un comportement respectueux de la loi, côté que l'était dit sous aucune forme, les papes quittaient prison. Je ne pas même les gens qui ont été évadés. C'est des gens qui ont libéré l'État, le gouvernement,
en classe, libérer moun sa yo. Si nous capable garder. Un, garder cellulio. Cellulio gagne des portes, cellulio sécurisé. Prisonnier aussi en dans cellulio li yo yé. Comme quoi gagne yon intervention des hommes armés. Malheureusement moi m'relé yo des bandits victimes parce que c'est l'état construit yo. Nan moment nou yé là, il va falloir que yo trancher sous situation moun sa yo. Un, si moun yo rete dans prison, c'est parce que yo pa gen aucune volonté pour yo quitter prison, mais par rapport avec sécurité yo, faut gagner mesure qui prend. Nous te dis, étant donné que Maître Robinson Pierre lui est de notoriété publique connue de tous, mais il a facilité Maître Robinson Pierre lui entrer la caille, Baroa, mon cabinet, Bazoche le film, la potée garant, à quel que soit moment de la durée, yo besoin n'a mené yo balé. Gagné magistrat Michel Vigil qui lui-même également été trouvé au niveau pénitentiaire national et que pour l'instant moins tendé à travers les médias que et magistrat Michel Vigil t'a quitté prison et j'en nous dit là c'est pas prisonnier yo qui est évadé mais c'est gouvernement qui organisé yon évasion et qui libéré yon ensemble de moun. Michel Vigil c'est un commissaire donc commissaire là. Bon, peut-être regagner Woodley, mais Maître Robinson Pierre, lui, il était dit lui-même, il connaît l'éclair avec conscience, il attend la justice.